À 92 ans, Noëlle Vincensini a quasiment livré un siècle de combats. Avec un credo, ériger l'humanité plus haut que toutes les inhumanités. Une ambition vaste, l'ambition d'une vie, qu'elle nous raconte avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Noëlle Vincensini. On va regarder les images de votre vie. D'accord. Regardez celle-là, tiens, par exemple. C'est mon père qui lit le journal. Il était toujours abonné au même journal qui venait de Marseille, qui s'appelait Le Petit Marseillais. Ah oui? Je crois que c'était un journal radical de l'époque. Je pense, oui, je pense. Mais, on est où, là? À Pietrose. Il est de Pietrose, votre papa, hein? Mon père était de Pietrose, ma grand-mère aussi, mais ils sont partis vivre à l'Ettu Maiò, où il y avait des terrains, enfin des gens qui appartenaient à la famille et à parenté. L'Ettu Maiò, c'est un petit hameau au-dessus de Pietrose. Votre papa, là, on le voit, effectivement, il est déjà à la retraite. Ah oui, il est bien à la retraite. Votre père, en fait, il a été gendarme. Il a été gendarme. Et avant au bout de 15 ans, oui. Il pouvait prendre une retraite. Oui. Il fallait avoir 15 ans pour avoir droit à la retraite. Et il a été actif toute sa vie après. Il est redevenu paysan comme il était avant. Il adorait la chasse, super chasseur. Et ça lui a valu quelques déboires d'être chasseur. Il y avait un gendarme qui fraîchement débarqué, qui n'était pas très au courant de ce qui se passait et qui l'a attrapé en train de braconner, en fait. Oui. Ouais. Et il a eu une amende. Il a eu une amende qui n'était pas grave, mais il n'avait pas d'argent du tout. Dans les maisons, il y avait de tout. Il y avait des légumes, il y avait du blé, il y avait du fromage, en fait, tout ce que vous voulez, mais il n'y avait pas d'argent. La monnaie, c'était la denrée rare. Et donc, du coup, lui, il prend le maquis. Pour très peu d'argent, pour une petite amende, il prend le maquis, et ça a duré 5 ans, jusqu'au moment où on s'est aperçu. Il y a eu avec la guerre de 14, il y a eu toutes les peines légères qui ont été supprimées de façon à ce que... Enrôler tout le monde, en fait. Tout le monde. Et donc, quand on va le voir, on s'aperçoit qu'il a déjà 24 ans. Il est dans le maquis. Et on s'aperçoit qu'il a 24 ans. Et on lui dit, allez, viens voir, toi, Coco. À l'époque, non plus, les gens n'étaient pas inscrits à l'état civil. Mon père ne l'était pas. Et oui, la guerre de 14, ça a permis ça aussi, effectivement, d'inscrire beaucoup de monde à l'état civil. Et puis, dans la mémoire collective, tout le monde savait exactement à quelle année il était né, quel moment, etc. C'est incroyable. C'était un véritable livre vert, la mémoire collective. La tradition orale, effectivement, à l'époque. Et donc, il descend à Bonifacio. Et venez avec moi, tiens, on descend à Bonifacio, tous les deux, si vous voulez. Et à Bonifacio, en attendant d'embarquer pour le front, parce qu'il va faire la guerre, quand même, votre papa, il regarde passer, et il voit passer une jeune fille qui a 15 ans à l'époque. À l'époque, 15 ans, parce que ma mère, là, elle a 50 ans au moins. Oui. Et il tombe amoureux de cette fille. Voilà. Il la voit passer devant la caserne. Il est tombé amoureux d'elle, parce qu'il trouvait qu'elle avait une belle allure, etc. Bon. Elle avait une natte qui lui tombait dans le dos jusqu'à presque au creux des reins. Au creux des reins, on peut dire. Voilà. Et il la demande en mariage. Et elle ne l'avait jamais vue. Et pour faire plaisir à son père, elle a dit oui. Son père était malade, il s'était remarié avec une jeune femme d'une vingtaine d'années. Et lui, il en avait plus de 50. Incroyable. Et donc elle se marie avec votre papa pour faire plaisir à son père. Elle ne sait même pas qui elle épouse. Voilà, elle ne l'a jamais vu. Et donc, la demande, elle accepte. Et hop, elle s'embarque pour Pietrose, sans connaître cet homme-là. Même pas Pietrose, c'était pire que ça. C'était l'Ettu Maiò. Un mot perdu. Pietrose, c'était un village. Et votre mère, elle ne sait rien faire en plus. Elle ne sait que coudre. Non. Du coup, elle va arriver. Venez, on va aller à l'Ettu Maiò. Elle ne sait même pas coudre. Elle ne sait que broder. À l'époque, elle ne sait pas faire beaucoup de choses, mais elle va apprendre, justement. Donc, elle arrive à l'Ettu Maiò. Là, je n'ai pas une photo de l'Ettu Maiò, j'ai une photo de Pietrose. Ça, c'est de Pietrose, plus tard. Moi, j'avais 15 ans. Là. Avancez un petit peu, Noëlle. Mettons-nous face à la photo. Vous avez 15 ans. Et là, elle va apprendre la vie du village. On l'appelle la bonifacienne. Elle n'est bonne qu'à faire de la couture. Mais par contre, elle est bonne à une autre chose, votre maman. C'est qu'elle sait parler le français et l'écrire correctement. Et donc, elle va prendre votre père et elle va lui apprendre à écrire le français. Non seulement ça, mais avant, pour son temps, quand elle était à l'Ettu Maiò, il y avait quelques personnes, quelques jeunes hommes qui ne savaient pas parler français. et qui cherchait à avoir un boulot, quoi, une situation. Et elle a alphabétisé un certain nombre de gens qui ne parlaient que le corse. Elle leur a appris bénévolement le français et l'écriture. Et lire et écrire. Et donc elle apprend à parler et à lire et écrire le français à votre papa, qui passe le concours de gendarme, et votre papa devient gendarme paysan. Voilà. C'est ça ? Après, il écrivait sans une faute. Elle était douée, votre maman. Et puis elle avait autre chose à faire aussi, c'est que là vous êtes avec une de vos sœurs, mais deux sœurs, vous allez en avoir 4 autres. On était 5 filles et 4 garçons. 9 enfants, elle va élever aussi avec votre papa. Et on va aller à la photo. Sans argent toujours, hein, vous n'étiez toujours pas plus riche. Cette année-là, oui, c'était en 1942. Et quand je suis partie à la fin des vacances, il y a eu l'invasion italienne. Et la Corse s'est révoltée. Enfin, ça a abouti en 1943 par la libération de la Corse. Ah ben vous avez échappé à ce danger-là, mais vous n'allez pas échapper à un autre. Bon, ça, c'est une autre histoire. On va aller un petit peu. Là, on vous voit avec toute une bande. Alors, on avait l'habitude de... On était 42. Il y avait beaucoup. On faisait beaucoup de balades, des excursions en montagne, intergénération souvent, hein. Il n'y avait pas que des jeunes. Et là, j'ai... Approchons-nous. Il y a une de mes sœurs, un petit frère, un grand frère, enfin, des voisins. Et tous les hommes avaient toujours le fusil, hein. C'était normal. Et cette photo, en fait, vous allez la garder, vous allez la mettre dans votre veste parce que vous n'allez pas tarder à partir sur le continent. Pourquoi vous allez partir ? Il y avait un oncle de ma mère qui partait, qui prenait le bateau, comme on disait. Et donc, il m'a embarqué. Il vous met dans le bateau ? Il m'a embarqué, voilà. Et il m'a déposé à Montpellier. Pour aller... Venez, Montpellier, c'est là. Hein. venez, on va à Montpellier. Vous retrouvez à Montpellier à quel âge ? À 14 ans. 14 ans. 14 ans pour étudier. Là, vous êtes où, là ? Alors là, je suis à l'internat, interne. À l'époque, on avait des blouses. Ouais. On avait toutes la même blouse. C'était rare qu'elle soit... On habit de ville, comme on disait. Donc vous êtes à Montpellier, on est en 1942. En 1942. À Montpellier, vous allez étudier, mais vous n'allez pas faire que ça à Montpellier. Et c'est une autre histoire, justement. Oui. Venez, on va en parler. On va aller s'asseoir pour en parler. Vous êtes donc à Montpellier, vous étudiez, oui. Voilà, vous êtes comme ça. Je suis interne. Vous êtes belle comme tout. Vous étudiez, mais vous ne faites pas que ça à Montpellier. Qu'est-ce que vous faites à Montpellier aussi ? Écoutez, en 1942, il y avait en France une zone libre, et une zone occupée et une zone libre. En 1942, les Allemands ont... envahi la zone libre et c'était occupé de partout. Donc, on a été confronté avec la présence de l'armée allemande et on n'a pas supporté, quoi. Donc, on a immédiatement rué dans les brancards. Effectivement, vous êtes courrier, vous transportez des armes, vous transportez des affiches. Et il se trouve qu'un jour, la Gestapo vous tombe dessus, en fait. Et vous, voilà. Et vous ne savez pas ce qui vous arrive. Voilà. Et comme j'étais la plus jeune de toutes les... J'avais 17 ans, de tous les gens arrêtés, ils m'ont particulièrement maltraité en pensant que j'étais plus vulnérable. À peine arrêté, on vous conduit ici. Oh. La prison de la 32e. Ah, vous l'avez trouvée ? Ben oui, le couloir des cellules. Ah là 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 là. Et là ? C'est le couloir des cellules des condamnés à mort. Et on vous monte à l'interrogatoire. Et à l'interrogatoire, il se trouve que quand on vous a arrêté ce jour-là, Noël, vous avez la photo qu'il y a derrière vous. Alors, la fameuse photo où on voit des gens avec des fusils. Donc pour les Allemands, ça ne fait aucun doute. Vous faites partie de la résistance et en plus, vous êtes une maquisarde avec cette photo. Oui, maquis. Et là, il y a votre chef de réseau de résistance qui dit « Tiens-toi à l'alibi, Noël ». Votre alibi, c'est de dire « Moi, je suis la petite amie de ce monsieur qui a été arrêté en même temps que moi ». On avait un alibi. Pour les filles, c'était facile. Les jeunes filles, on avait à peu près tout un alibi en disant on était des copines de ceci et de cela, quoi. On avait rendez-vous pour aller au cinéma. Au cinéma, sortir. Sauf que ça, les Allemands, ça leur va pas. Et en fait, ils commencent. Qu'est-ce qu'ils commencent à faire, les Allemands ? Non, mais moi, j'ai eu des interrogatoires très, très durs. C'était de bonne guerre pour la Gestapo, c'est-à-dire qu'ils pensaient que j'étais jeune, donc que j'étais peut-être plus malléable, enfin plus fragile, alors que c'est le contraire, ils ne connaissaient rien aux jeunes. Les jeunes, ils sont plus têtus et plus fanatiques. Oui, parce qu'en fait, vous allez être torturé jusqu'au point de vous évanouir quand même, Noëlle. Plus d'une fois. Ah, ouais. Et vous n'allez jamais avouer. On va vous faire le plus beau compliment qu'on vous ait jamais fait à cette époque-là. Un jour où vous remontez pour un énième interrogatoire, il y a un Allemand qui dit « Non mais celle-là, on n'arrivera à rien, c'est une dure. » Voilà. Mais malgré tout ça, Noëlle, eh bien vous allez vous retrouver, vous allez prendre le train, vous ne savez pas pour où. Ça va durer 3 jours et 4 nuits dans un wagon à bestiaux. C'était des wagons à bestiaux complètement fermés. Il y avait juste une toute petite lucarne de quelques centimètres. Et on est resté là 3 jours et 5 nuits, je crois. Et puis un jour, on ouvre la porte. Noëlle, vous avez 17 ans et vous vous retrouvez là. Et alors, on se déporte. On se retrouve à Ravensbrück après. Ravensbrück, on rappelle, c'est un camp de concentration où il n'y avait que des femmes. Oui. À peine arrivé, Noëlle, on vous tond les cheveux. Oui. On entre dans une espèce d'établissement. On arrivait avec nos vêtements encore peut-être sales, mais qui étaient des vêtements d'origine. Et on partait toutes nues, souvent rasées, enfin bref. Et on nous habillait avec les vêtements rayés du camp, avec un numéro. Vous devenez un numéro. Un numéro, voilà. À partir de ce moment-là, vous êtes un numéro. Un numéro. Un numéro qui doit travailler beaucoup, pour les usines Siemens notamment. Dans ces camps, Noëlle, vous allez rencontrer quelque chose d'assez étonnant, pour nous en tout cas qui n'avons pas vécu ça, c'est que vous allez rencontrer la solidarité. On a une solidarité. Surtout les jeunes étaient le souci des femmes plus âgées. Et souvent, ces femmes plus âgées étaient quelquefois chargées de famille, etc. Donc, elles avaient une solidarité de vie déjà dans le quotidien, auquel elles étaient plus confrontées que les hommes quotidiennement. Donc, je crois que la solidarité a été beaucoup plus forte dans les camps de femmes que dans les camps d'hommes. Arrive la fin de la guerre, mais ça, vous ne le savez pas. Et les Allemands, à la fin de la guerre, quand il y a les armées russes qui approchent, ils évacuent les camps de concentration et commencent les marches de la mort. Le moindre prisonnier qui tombe, on l'achève. Ah oui, absolument, et vous, absolument. Ces marches de la mort, en fait, vous allez les raconter ici, dans ce courrier que vous allez envoyer à vos parents. Oui. Ils vont recevoir ça parce qu'on n'en parle plus de vos parents, mais vos parents n'ont plus de nouvelles de vous. Et ça, c'est la première lettre que vous leur envoyez, alors une fois que vous serez libérés. Mais on peut lire en bas « Les Russes sont tout près. Le lendemain, soir, sur la route, encore, profitant d'un moment de panique, nous nous sommes évadés dans la nature. » En fait, c'est comme ça que ça se passe, Noëlle. Et un jour, il y a un char russe qui arrive dans la rue. Ouais. Et quand le soldat en descend et qu'il vous voit, la première fois que vous voyez, c'est qu'il pleure. Ouais. Et c'est là que vous réalisez dans quel état vous êtes, en fait. Ouais. Quand les Russes sont arrivés, j'avais été rasée depuis peu de temps. Donc, et puis j'avais ma tête de mort. C'était un vrai squelette. Je pesais 28 kilos. Je faisais 28 kilos quand j'étais capable de marcher pendant 4 kilomètres et quand on a trouvé de quoi se peser. Donc je dû faire même moins que ça. Et au retour de ces camps, j'ai mis cette photo. Parce que vous, les cheveux longs, Noëlle, c'est le symbole de la liberté. Voilà. C'est ça. J'ai été rasée 2 fois. Plus jamais ça. Ouais. Vous mettez... C'était de la liberté. Le symbole de la liberté. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Alors à l'époque, tout le monde était étonné de me voir avec des cheveux aussi longs. C'était pas la mode. Maintenant, tout le monde a les cheveux longs. Mais à l'époque... Vous rentrez, vous retapez un petit peu au village pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, vous vous retrouvez à Paris. On va regarder la photo. Et à Paris, vous rêvez de relations internationales. Mmh. Et puis, surtout, à Paris, vous faites des rencontres. Vous rencontrez, j'ai envie de dire, les anciens résistants, et vous rencontrez le Parti communiste. Oui. À tel point que... Bon, ça, dans une organisation qui s'appelait l'Union des jeunesses républicaines. Et l'Union des jeunesses républicaines, c'est où il y avait tous les étudiants qui n'avaient pas pu terminer leurs études quand il y a eu la guerre. La guerre. Vous vous retrouvez là, il y a un bouillonnement anarchique, anarchiste, communiste, et vous, vous entrez à fond là-dedans, à tel point qu'au bout d'un moment, on vous appelle la colombe à rouge. Et puis surtout, vous êtes une belle jeune femme, et vous avez beaucoup de prétendants. Là, c'est deux de vos prétendants. Non, c'était des amis du village. Ah bon ? Moi, je pensais que c'était des prétendants, moi. Non, c'était des gens du village qui étaient à Paris. Ah. C'était des amis, pas forcément des prétendants. Parce que justement, celui qui va l'emporter auprès de votre cœur, à cette époque-là, c'est lui. Jean-Pierre Chabrol. Oui, voilà. Communiste, écrivain, oui. Journaliste. Oui. Vous vous mariez civilement, d'ailleurs ? Pas religieusement, ce qui fait jaser un petit peu au village, hein, oui, d'ailleurs. Je me suis mariée très tôt, à 47. Oui. J'étais encore étudiante, parce que voilà... Il fallait quand même vous marier, mais vous êtes quand même un petit peu rebelle, vous ne vous mariez pas à l'église. Voilà. Et avec Jean-Pierre Chabrol... C'était un événement dans la famille, la première fois que... Voilà. Et Jean-Pierre, comme vous ne vivez... Vous êtes fatigué, vous décidez d'acheter une maison. Grâce à Brassens, qui était un ami qu'on a connu quand il n'était pas encore connu. Oui, c'est Georges Brassens qui vous avance l'argent pour acheter cette maison, effectivement. Voilà. Et dans cette maison, vous vous reposez. Avec Jean-Pierre Chabrol, vous aurez 4 enfants, voilà. 3 filles et un fils. Voilà. Et dans cette maison, là, magnifique, dans cette maison, on vit quand même chichement. Puis vous n'avez pas de travail à l'époque. Et puis moi, je n'ai pas de travail parce que j'étais trop fatigué. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins que cette maison, elle est ouverte aux 4 vents pour les amis. Et à l'époque, qui est-ce qui vient à la maison ? Alors... C'est ces personnalités-là que vous recevez. Alors, Brassens, qui vous a aidé à acheter la maison. Oui. Brel aussi venait aussi parce que c'était un ami qui venait quelquefois. Mais Aragon, on l'allait chez lui. Ah. Oui. Aragon ne bougeait pas, il était au moulin de Chabrol. Aragon. Et donc vous recevez tout ce beau monde. Il aurait pu avoir Yves Montand, j'en passe, et des meilleurs. Hein. Il y en a un qui aimait beaucoup, le mime Marceau, qui était mondialement connu. Il faisait des séjours carrément chez nous, alors qu'il avait des trucs de luxe chez nous, c'était modeste. Et justement, c'était très modeste chez vous, et vous avez presque fait un petit peu comme l'Ettu Maiò. Vous viviez complètement en autarcie. Vous aviez des chèvres, vous aviez des animaux, non ? Et voilà. Hein ? Et pour faire à manger à tout ce beau monde-là, vous aviez un unique menu. On avait une grosse rôtisserie. Oui, un rôtissoir. Briard. Où chaque fois, on avait un énorme rôti et on faisait, devant la cheminée, on faisait cuire. C'était de rigueur chaque semaine, chaque dimanche. Mais ça n'aura qu'un temps, ça, parce que vous allez vous séparer avec Jean-Pierre Chabrol. Oui. Et au moment de la séparation, en fait... Je rentre en Corse. Voilà, vous rentrez en Corse. Alors là c'est l'Ettu Maiò. L'Ettu Maiò, le hameau de ma grand-mère. Et vous rentrez en Corse sans aucun moyen de subsistance. Vous rentrez en Corse, peu à peu, vous n'allez même pas demander la pension de votre ancien mari. Oui. Et vous ne savez même pas que vous avez droit à une pension d'ancien déporté. Oui, alors... Là, effectivement, c'est une image de joie. Mais en fait, quand vous rentrez en Corse, ça ne va pas bien du tout matériellement. Non, c'était très, très faussé, très, très faussé. Période difficile, mais ça ne va pas vous empêcher de continuer de mener d'autres combats. Et ce qu'on va faire, Noëlle, c'est qu'on va quitter cette pièce et on va voir un petit peu tous les autres combats que vous allez mener à partir du moment où vous remettez le pied sur votre terre. On va voir, c'est à côté que ça se passe. C'était Pologne. Allez, venez avec moi, on va changer de pièce. Dernière pièce de notre visite. Donc vous rentrez en Corse, vous avez à peu près 45 ans. Et vous poursuivez la lutte, j'ai l'impression. Et j'en ai les preuves. Ça a commencé par la lutte contre la fraude. Oui, vous anticipez. Voilà. Ah. 77. Ah. Pietrose, l'opposition à M. Pagne, a passé la nuit devant la mairie. C'est vous, l'opposition à M. Pagne. Il m'en a fait voir. Hein. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas inscrite sur les listes électorales à l'époque. Non. Il a fallu aller, rien. Parce que le juge de Corté était dans le même clan que celui de la mairie. Donc, il obéissait. Au clan. Vous savez, il y a des gens qui m'en veulent encore. Parce que ça dérangeait les familles, les gens. C'était important d'être inscrit sur une liste. C'était une espèce de privilège des familles, parce que bon, c'était avalisé par le clan. Et donc, je dérangeais tout le monde, quoi. À contre-courant. À contre-courant du clan. Vous allez obtenir gain de cause, une lutte que vous allez gagner. Autre lutte. Ça, c'était quand l'État avait le monopole de l'information. Il y avait une seule télévision, une seule radio qui avait le droit de parler. Et c'était en 79. Hein, 79. Oui. Vous vouliez une information libre et indépendante, voilà, on voulait, tout simplement. Voilà. Sauf que vous êtes allé le demander et on vous a mis dehors, là. Hein. Là, j'étais mis dehors, mais parce que je faisais du sitting, je ne bougeais pas. Autre lutte, c'est celui-ci. Ah là là, ça a été quelque chose. Vous fondez Ava Basta. Non au racisme. Ça m'a valu au moins 30 années de... Après, c'était... 30 années de quoi? Supporté. Non, mais attendez, des injures, des insultes écrites dans les murs, des menaces, tout, quasi quotidiennement. On n'imaginait pas. C'est quoi? Pourquoi vous faites Ava Basta, Noëlle? Pourquoi vous fondez Ava Basta? Contre le racisme. Pourquoi? Il y avait trop de racisme en Corse? Il y avait du racisme surtout à l'égard des immigrés. Et ce combat, en fait, c'était hier, mais c'est encore aujourd'hui, parce que vous allez vous investir cœurs et âme dans ce combat-là. Jusqu'en 2013, ça va durer. C'est des années 82, je crois. C'est quelle année à Ava Basta? Dans ce jeu-là, c'est début des années 80. 84, je crois. Voilà, 84. Jusqu'en 2013, vous êtes la présidente de ce collectif. Personne ne voulait. Personne ne se disputait ma place. Je prenais les coups. Hein. Et ça va être... Vous n'imaginez pas les menaces. Vous l'avez quitté, ce combat, en 2013, il y a 5 ans. On va revenir encore un petit peu, mais on a pris la suite. Hein. Il y a un nouveau président. Le collectif n'est pas mort, parce qu'on en a encore besoin, bien sûr. Oui. On passe à autre chose aussi, une autre de vos facettes, qui n'est pas la moins intéressante. Ces films, je n'ai pas d'extrait, on les voit par contre sur la site. C'est les premiers films corse qui ont existé, c'était tout en Corse. Hein. Et ils sont à la Cinémathèque de Corse, si on veut les voir. Oui. Allez, on va finir le dernier écran. Venez avec moi. C'est là que ça se passe, Noëlle. Alors, avant de voir cet écran, on va quand même dire une chose. Mais vous voulez vous mettre où? Mettez-vous là, venez, approchez. C'est que vous écriviez beaucoup quand vous étiez enfant. Énormément. Oui. Vous n'allez pas derrière l'écran, venez. Vous écriviez beaucoup quand vous étiez jeune. Tout le temps. Et puis, quand vous avez été raflé par les Allemands, la femme qui vous hébergeait, elle a eu peur et elle a tout brûlé. Oui. Et ça... Ça a été un choc terrible. Ça a été un choc terrible. Vous n'avez plus jamais écrit, sauf vous y êtes remis il y a quelque temps. Et vous avez écrit ça. Et toutes les informations... Le morceau de sucre, notre récit. Tout ce qui est étudié dans cette émission, notamment sur les camps, si on veut le retrouver, on le retrouve dans ce livre. Parce que vous écrivez merveilleusement bien, en plus, Noëlle. Ah bon? Oui. Il faudrait que vous écriviez même un petit peu plus, si je peux me permettre. Mais au lieu d'écrire aussi, il y a le témoignage oral. Et on finira par cette photo, si vous le voulez bien. Parce que c'est l'une des raisons pour laquelle on a fait cette émission. Vous avez passé votre vie, enfin une partie de votre vie, à aller dans les écoles. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, vous aurez moins le temps d'y aller. Et c'est peut-être, justement, vous parliez de mémoire, j'ai l'impression que la mémoire sur ces camps de concentration, sur ce passé, sur cet étoile, sur cette croix gammée-là, est en train de revenir. Donc si vous avez un message à faire passer, ce serait lequel ? En tout cas, une pensée. Ce qui vous anime aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe un petit peu là. Je suis navré et un peu presque désespéré, je crois dire, de voir que Tout ça n'a servi à rien. Que le pire revient. Le pire revient. Le pire est en train de revenir, selon vous? C'est en train de revenir. C'est déjà revenu. Ça revient en Italie, ça revient au Brésil, ça revient en Hongrie. Dans les pays de l'Est. Enfin, c'est effrayant. Alors bon, écoutez, on n'est pas obligé de finir une émission sur une note d'optimisme. Hein. Effectivement, l'avenir n'est certainement pas optimiste. On va faire un petit selfie quand même, Noël. Hein, vous m'avez appris quelque chose. Allez, vous vous laissez faire et vous souriez. Voilà. Merci infiniment pour votre visite, Noël. Merci. Vous me faites la bise quand même avant de partir. Venez, je vous embrasse. Et à bientôt.